au pénis. Tu lui racontes ça, mais j'ai l'avis qu'on a réellement un vrai ami qui s'est opéré des pénis. Et pourquoi? Parce qu'on avait un trop gros. 18 points de suture. Oh, qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Un jour, il est parti à poil dans la rue, puis il est tombé. C'est tout. Quand il y a du mystère dans l'air, quand un crime affreux reste impuni, on voit surgir rapide comme l'éclair nos deux amis Sylvestre et Titi. Qu'ils soient midi ou qu'ils soient minuit, ils partent vers la guerre au gangster. Ils savent y faire car ils ont du flair, nos deux amis Sylvestre et Titi. Bonsoir. Alors, je viens de me souvenir du titre de la vidéo. Oh putain, j'avais oublié. Alors, en fait, le truc c'est... Mon sexe est en fait trop gros. Alors, en fait, au début, vous allez dire comment j'ai su ça. En fait, j'avais un ami. J'avais un ami. À l'époque, j'étais en seconde. Alors, en fait, d'habitude, à côté de moi, j'avais un bon ami en cours de maths. Il était toujours à côté de moi. Parce qu'en fait, il y avait à côté de moi, puis ensuite, il y avait des poules. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et moi, j'étais... Oh, regardez, il y a des poules. Il y avait une fenêtre, il y avait des poules, et moi j'étais... Oh, il y a des poules. Mais moi, je suis... Et en fait, du coup, à côté de moi, j'avais quelqu'un, et c'était un super ami à moi, mais il était pas venu depuis 2 semaines. Et ensuite, il est venu. Alors là, je lui ai dit... Bah alors, qu'est-ce qui se passe, hein? T'as perdu tes couilles? Et il m'a répondu... Oh non, ça, je les ai gardés, mais... Attends, je vérifie. Oh putain. Putain, ils sont plus là. Oh merde, bon bah j'ai plus qu'à apprendre à faire la vaisselle, puis devenir une femme. Hyper bon, Bolo Boss. Ça va mieux. Ça va bien. Elle arrive, il vient vers moi, il me fait... C'est un problème. Ensuite, il me fait... Un gros problème. Et là, je fais... Oh, si c'est un gros problème, ça doit être un problème de pénis. Oh. Et là, il prend... Et là, il me fait... Putain, Hugo, qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment tu le sais? Ben ouais. Et là, je t'ai... Oh merde. Bon. Je veux dire, oh, t'inquiète pas, moi j'ai un problème aussi, il est trop gros. Mon sexe est en fait trop gros. Ouais. Et après il me dit, ouais mais moi c'est ça le problème. Et là j'étais, oh merde, on va. Mais bon bah on a le même problème alors, hein. Y'en a pas une qui veut me sucer. Sauf que lui apparemment il pouvait pas faire avec. C'est pas forcément très agréable, vous pouvez me croire. En fait, une fois, bah comme je l'ai dit dans la vidéo de Bosnie, une fois il voulait faire la fête, il est sorti dehors à poil, il est tombé. Ben ouais. Comme quoi, faut regarder là où on marche, hein, parce que c'est comme quand tu vois Mia Khalifa. Putain, il est gonflé, hein. Mais il faut le faire ce qu'il fait, il a du talent ce garçon. Et là, il me raconte ça, il me dit, écoute, je me suis fait opérer du pénis, j'ai eu 18 points de suture. D'accord. Et là, j'étais... En fait, j'ai hésité entre deux situations, soit me mettre en mode, oh putain, ça va, est-ce que ça va, mec? Mais en même temps, dans ma tête, c'était, oh, 18 points de suture. Oh, c'est quoi ça? Et là, je commençais à prendre mes mains, je comptais, j'étais, 1, 2, 3, oh, c'est jamais assez. Puis après j'ai vu qu'il me regardait, j'étais... Qu'est-ce que tu fais, Hugo? Non, je regardais si j'avais rien sur mes mains. Menteur, pharisien. Ah oui. Oui, ça y est, c'est bon. Et du coup il me dit, j'ai un problème, Hugo. Il a dit, je suis sorti de chez moi, sauf que j'étais un peu bourré, j'étais à poil. Et du coup, moi j'ai vu Mia Khalifa. Ah d'accord. Je vois, t'es un petit coquin, hein. Et fait, t'avais pas peur de te faire attraper par la police? Non. Et il me répond... Oh, je sais pas, moi je me demande ce qu'ils auraient attrapé en premier. Et il m'a dit, il m'aurait mis les menottes, hein. Oh, moi j'ai fait, oh là là. Et oui, heureusement que t'as 18 ans, hein. Parce que sinon, et je fais 18 ans, comme j'ai 18 points de suture. Parce qu'il avait pas 18 ans, le con. Oh. Et du coup, il y a ses parents qui ont été obligés de venir. Il était à poil bourré par terre dans le camion, dans l'ambulance, avec le... Putain, il est gonflé, ça, mais il faut le faire ce qu'il fait. C'est faut l'imaginer. Ça, faut l'imaginer. Et ça, c'est une anecdote que je raconte à toute ma famille. Dans toute ma famille, mes cousins éloignés, mais... Ils connaissent ce type, il s'appelle Wilson.
J'espère qu'il regardera pas cette vidéo parce qu'il m'a promis de rien dire. Et du coup il m'a dit qu'il était sorti à poil et qu'il avait vu une bonne meuf. Et il m'a dit, là ça s'est passé comme Clifford le gros chien rouge. Je m'appelle Emily et voici Clifford mon ami le gros chien rouge. Clifford a choisi Emily, alors elle l'a adoptée. Elle a tant aimé que Clifford a vraiment grandi et il a fallu déménager. D'accord. Il a dit c'était du goudron bien dur, puis j'ai pas vu, puis je me suis étalé par terre. Aïe, coup dur pour Guillaume. Parce qu'en fait, il courait après la fille, et voilà, il lui a mis un croche-patte, et oh là. Je vous laisse imaginer, c'est du délice. Fais un petit pouce bleu pour soutenir, ça ferait plaisir. Ce sera un petit peu votre manière à vous de me remercier pour cette pour toute cette aventure que je vous fais vivre, pour tout ce bonheur intense et profond que je vous fais vivre au quotidien. J'espère que j'aurai beaucoup d'argent.